vie de Christ dans un homme produira les œuvres de Christ. Le Saint-Esprit dans un homme produira un chrétien. Jamais pas. Quand je veux parler au lys, il prend ma bouche. Autre, car chaque semence. Nous allons dans la prière tous pour recommander cette partie entre les mains de l'Éternel. Conduis-moi, Seigneur, ô Jésus, conduis-moi, 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 Seigneur, ô Jésus, conduis-moi, Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Jésus, conduis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Seigneur, oh Jésus, parle-moi, 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 Seigneur, oh Jésus, parle-moi, Jésus, parle-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi, oh Jésus, Jésus, parle-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi, oh Jésus, parle-moi. Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est toi le grand dispensateur de tous les dons excellents. Tu es l'auteur de notre salut, tu es l'auteur de notre bonne santé, tu es l'auteur de notre bien-être, tu es le grand Elohim et le fort, le créateur des cieux et de la terre, le puissant conquérant et le puissant vainqueur. Tu es le vainqueur de Satan le diable, le vainqueur de tous les démons,
le vainqueur de la tombe, le vainqueur du séjour des morts, le vainqueur même de la mort. Tu étais mort pour notre rachat, tu es ressuscité et tu es vivant pour toujours. Nous te sommes très reconnaissants, Seigneur, pour cette occasion que tu nous as accordée ce matin d'être rassemblés dans ta maison. Nous croyons que tu es au milieu de nous, Seigneur, car tu avais dit dans ta parole que partout où deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Ma prière ce matin, Seigneur, c'est que tu puisses te révéler à chacun de nous, Seigneur, que tu puisses te rendre aussi réel, aussi palpable, que chacun de nous puisse, oh Dieu, te toucher par la foi, comme cette femme-là qui avait souffert pendant 12 ans de la perte de sang. Oh Dieu, alors qu'il y avait des multitudes qui accouraient vers toi, des gens, oh Dieu, qui étaient tout autour de toi, Seigneur. Tu étais là, il te voyait comme un homme ordinaire. Mais cette femme qui avait un problème dans son cœur, elle s'était dit en elle-même que si je le touchais quelque chose, la solution, oh Dieu, va être trouvée à mon problème. Et quand elle t'avait touché, c'était une touche spéciale. Alors, oh Dieu, quelque chose est arrivé dans sa vie et elle fut guérie, Seigneur. Je veux que chacun de nous fasse comme cette femme-là, Père. Quels que soient les problèmes que nous avons ce matin, quels que soient les besoins que nous avons ce matin, quels que soient les désirs que nous avons ce matin, quelle que soit, oh Dieu, la requête, que chacun de nous, Père, puisse être touché par la foi et quelque chose puisse arriver dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Qu'il réalise, oh Dieu, que tu es vivant, que tu es réel, que tu existes, que tu agis, que tu opères. Que tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. C'est notre prière ce matin, Seigneur. Fais-le pour ta gloire, Père. Envoie-nous ton onction. Cette onction qui enseigne et qui révèle ta parole. Qu'elle soit sur nous qui parlons, sur notre interprète et sur tout l'auditoire. Que tout se fasse pour la gloire de ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous allons lire quatre passages dans la Bible. Tutasoma mahali ine ndani ya Biblia. Nous lirons d'abord dans Malachie chapitre 4. Tutasoma kwanza Malakia sura yake ya 4. Le 5e et le 6e verset. Mustari wa 5 hadi wa 6. Malaki 4, 5e et 6e verset. Malaki in. Nous lisons. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Angalieni tamitumia Elia nabi kabla ya siku ya milele kutimia siku kuu na ya kuogopesha. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Atarudisha mioyo ya wababa kwa watoto na mioyo ya watoto kwa wababa kwa sije kupiga inchi kwa laana. Luc 17 du 26e au 31e verset. Luka 17 26 hadi 33. Vous y êtes? OK. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du fils de l'homme. Kile kilifika kwa wakati ya Noa kitafika vile vile mwa wakati ya mwanamtu. Les hommes mangeaient. Bato walikuwa nakula, walikuwa nakunywa, se marier, walikuwa naoa, et marier leurs enfants. Walikuwa naoesha watoto yao. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Paka na pale Noa aliingia msafina. Le déluge vint. Ndio mvua ikaja. Et les fit tous périr. Na ikapoteza wote. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Kile kilifika kwa wakati ya Noa kitafika tena. Les hommes mangeaient. Bato walikuwa nakula, buvaient, walikuwa nakunywa, achetaient, walikuwa nauza, vendaient, walikuwa naujisha, plantaient, walikuwa napanda, bâtissaient. Walikuwa hata najenga. Et le jour où Lot
sortit de Sodome, il n'est plus de feu et de soufre tomba du ciel. Et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Amen. Troisièmement, nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Du 14e au 18e verset. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Enfin, Apocalypse 19, du 7e au 9e verset. Réjouissez-vous. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Avec ces écritures, je voudrais introduire un thème important aussi. Nous voulons parler de saisir la vision du message. J'avais déjà parlé de ceci, je crois, en 2011. Je reviens parce que c'est important. Saisir la vision du message. Amen. Amen. Nous sommes tous croyants du message. Si, si, te, tuko wa minifo, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tulipata neema, kumecho ya Dieu nous a appelés en ce temps de la fin. Mungu alituita mwi wakati ya mwisho. Nous avons cru le message du temps de la fin. Tuliaminia ujumbe ya wakati wa mwisho. Ce message est la lumière. Hii ujumbe ni nuru. En ce jour. Mui masiku. C'est la lumière. Ni nuru. Qui éclaire dans les ténèbres dans lesquelles le monde s'est enfoncé. Yenye iko naangazia mulimwengu lakini dunia iko na kuingia mugiza. La seule lumière qui existe aujourd'hui, c'est ce message. Nuru moja yenye iko hapo leo ni ujumbe. En dehors de ce message, partout là-bas, ce sont les ténèbres, c'est pêche. Inje ya hii ujumbe mahali popote pana giza kabisa ya muhimu. Alors nous qui sommes dans le message. Sasa shibenye kwa mujumbe. Nous qui avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Shibenye tulipata neema mbele ya Mungu. Nous
Nous devons saisir le message. Devons voir la vision du message. Pourquoi sommes-nous venus au message? Pourquoi avons-nous cru le message? Est-ce simplement pour fraterniser? Est-ce simplement pour avoir communion? Est-ce simplement pour être membre de l'Église tabernacle? Mais c'est ça que nous cherchons à découvrir. Il faut que chacun de nous saisisse la vision du message. Amen, amen, amen. 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 C'est cela le thème, bien-aimés frères et sœurs. Voyons que Dieu nous a envoyé un puissant prophète. Angalieni, Mungu atutumia nabi wa uwezo. Eli le prophète. Eli ya nabi. Qui est venu avec un message. Mwenye anakuya na ujumbe. Un message qui prépare un peuple. Ujumbe kutarisha kwa umma. Pour l'enlèvement. Juu ya unyakuo. Qui croit qu'il y aura un enlèvement? Ni nani anaminia kwamba unyakuo itakuwa ako? Amen. Amen. Frère Baname dit, Ndoku Baname sema hivi. Aussi sûr que Dieu existe, hakika kabisa gisi Mungu yupo, il y aura un enlèvement. Unyakuo itakuyako. Même si vous refusez. Ataka moyo na katala. Qui refuse? Ni nani kuna katala ile? Même si vous refusez. Ataka mona katala. Même si vous ne voulez pas croire. Ataka maopende kuamini. Mais nous croyons. Lakini shi tunaminia ya kwamba. Que l'enlèvement aura bel et bien lieu. Même si tout le monde a abandonné le message, Dieu ne manque pas de témoins. Même si tous les serviteurs de Dieu que vous connaissez, tel est tombé là-bas, tel a commis adultère là-bas, tel a fait ceci, malgré tout cela, Dieu ne manque pas de témoins. Ataba tumishi mabungu wote bale munayua sema, uyu fulani anazini kule, anafamu sharati, anafanya hivi na hivi, lakini Mungu ashipusake wa shuhuda. Une fois dans la Bible, mara moja mbiblia, Eli de Tisbit, Eli wakutushib, quand Jezabel faisait la, lui faisait la guerre, wakati Jezabel alikuwa namfa vita, il a tué beaucoup de gens. Eli pouvait dire à Dieu, Eli alipasha kuambia Mungu, Seigneur, voici je suis resté seul. Bwana, angalia mimi nabakia mimi moyo. On a tué tous tes serviteurs. Bwana huwa watumishi wako bote. Et tout le monde est tombé dans l'idolâtrie. Na batu bote banakuwa mkuabudu kwa sanamu. Est-ce que vous connaissez la réponse de Dieu? Munayua kwa jibu ya Mungu. Dieu lui a dit que tu es resté seul. Mungu alimwambia unabakia wewe moyo. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Alimwambia nini? Je me suis réservé 7000 hommes. Mimi shakubaki uchungisha watu wengine 1000. Qui n'ont pas fléchi devant Baal. Bale benye bakupiga magoti. Je ne manque pas de témoins. Si toi tu joues avec Dieu, toi tu viens faire du théâtre. Si tu joues avec ta vie, sache que quelque part là, il y a des gens sérieux qui se sont préparés, qui sont venus se préparer pour être enlevés. Et ils seront enlevés. Amen. 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 Le prophète dit dans les noces de l'agneau. Au paragraphe 27, il dit. Il dit, nous savons qu'il y aura une épouse. Ya kwamba kutakuyaka bibi arusi. Il y aura une épouse. Bibi arusi atakuyako. Nous savons cela. Tunayua ile. Nous savons qu'il y aura le souper des noces kutakuwa karamu ya mwana kondo qui sera servi aussi. Yenye itatolewa mbinguni. Nous savons cela. Tunayua tena ile. Nous savons. Tunajua. Nous savons cela. Tunajua ile. Cela aura lieu. Ile tatendeka. Aussi sûr que Dieu existe. Hakika kabisi kisi Mungu yupo. Car c'est sa part. Kwa sababu neno lake. Qui croit que Dieu existe? Ni nani anaamini sema Mungu yupo? Nous croyons qu'il existe. Si bote tunaamini sema Mungu yupo. Si nous croyons que Dieu existe. Sasa kama tunaamini sema Mungu yuko. Croyons aussi. Tunaamini tena sema. Qu'il y aura l'épouse de Jésus. Tutakuwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Croyons aussi. Tunaamini tena. Qu'il y aura le souper des noces. Tutakuwa karamu ya mwana kondoo. Qui sera servi au ciel. Yeye itatolewa mbinguni. Nous serons enlevés. Tutanyanyuliwa. Pour aller fêter au ciel. Juu ya kwenda kufanya ile karamu. Pour aller au souper des noces. Juu ya kwenda karamu. Cela aura lieu. Tout le monde ne peut pas tomber dans le péché. Impossible. Bantu bote, habozi kwa bote muzambi.
Il y a un ciel qu'il faut gagner là-bas. Pour combien vous êtes en train. Il y aura des vainqueurs, des gens qui vont vaincre Satan. Comme notre Seigneur a vaincu, il nous a dit, un croyant c'est qui? C'est celui qui croit la parole. Il s'accroche à cette parole. Jésus a dit, comme moi j'ai vaincu, vous aussi, vous ferez quoi? Vous vaincrez. C'est une promesse faite aux croyants. Si toi tu ne veux pas vaincre, si tu ne fais que tomber, si tu es toujours vaincu, sache que quel te parle là, il y a un vainqueur. Amen, amen, amen. Amen. Donc, détrompons-nous. Détrompez-vous, détrompons-nous. Ne pensons pas que, comme il y a aujourd'hui, on parle de n'importe quoi sur le serviteur de Dieu. On parle de n'importe quoi sur le message. C'est parce qu'aussi les ramassis, les gens de toute espèce, sont venus dans le message pour jeter de l'opprobre sur le message. Mais. Lakini, gloire soit rendue à Dieu. Même s'il y a des gens qui tombent, je crois. Il y aura une épouse. Je crois qu'il y aura un enlèvement. Je crois qu'il y aura le souper de noces. Aussi sûr que Dieu, cela aura lieu. Alors notre souci, notre problème, c'est que chacun puisse lutter pour être parmi ceux-là. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Il faut lutter. Il faut combattre. Combattre le bon combat de la foi. Pour se maintenir dans la foi. N'oubliez pas que Satan, le diable, est descendu avec une grande colère. Il cherche qu'il va dévorer, qu'il va séduire. Et la révélation nous dit, Satan aujourd'hui est entré dans l'église. Qu'est-ce qu'il fait dans l'église? Il a une mission. Il voudrait la rendre tiède, formaliste, sans puissance. C'est ça. Le travail, la mission du diable. Il entre dans l'église. Il vient fraterniser avec vous. Il veut que vous soyez tiers. Que vous ne soyez ni chaud ni froid. C'est ça la Odyssée. Et c'est un chrétien. Parmi les chrétiens, on dévoile. Et c'est un païen. Parmi les pécheurs, tu es là. Tu es partout. Satan t'a eu. L'apparence. C'est comme un chrétien. C'est comme une prostituée. Parce que les chrétiennes ne portent pas comme ça. Et pourtant elle va à l'église. Avec des habits sexes. Des habits serrés. Satan vous a eu. C'est ça son travail. Il veut vous maintenir comme ça. Il veut vous laisser faire de la religion. Vous êtes religieux. Venez à l'église. Vous contentez d'être là, vous chantez. Quand on prêche, vous dormez. C'est Satan qui vous fait. Parce qu'il sait que si vous écoutez la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Il ne veut pas que vous puissiez entendre. Parce que si vous entendez, vous aurez la foi. Et avec la foi, vous allez débouter dehors. Alors il doit vous empêcher d'écouter. Vous devez dormir. Oui, on n'a pas choisi là. Et vous avez été à l'église. Vous n'avez rien saisi. Vous ne faisiez que dormir. Il y a des années et des années. Vous ne changez pas. Vous n'êtes pas
né de nouveau. Ah, vous allez comment ya pili? Mais vous êtes parmi les croyants. La kini ko katikati ya waminifu. C'est ça vous rendre tiers. Il est donc à kufanya na kwa fukufuku. C'est ça le la mission du diable. Njoka jia shetani. Il vous rend formaliste. Anakufanya unakuwa wa mfano tu. La forme. Unakuwa na umbo tu ya monekanio. Parmi les frères. Oh, katikati ya banduku kwa. Que Dieu vous bénisse. Ah, nduku Mungu akubariki sana. Oh, pasteur. Ah, pastori. Oh, la dîme là. Pastori, dîme yangu yoi. Et vous payez la dîme. Unalipa zaka yako. Formaliste. Yote bile ni mfano tu. Mais à l'intérieur. Sasa ndani mwako. Zéro. Sifuru. Christ n'est pas là. Christo anamo. Satan vous a eu. Shetani pale anakupata. Si vous mourrez. Kama tu unakufa. Comme vous étiez un chrétien formaliste. Savile on kwa mu Christo wa mufano tu. Nous ne nous avons pas jugé. Si atuna na muzi na namna kwa mua. Nous ferons un service funéraire. Si tu ne tout à fait tout cas tu ya mazishi. Nous allons dire, oh notre frère, nous sommes en Dubaï, est allé se reposer. À cette heure-ci, Mui Wakati est en train de causer avec frère Branham. Et qu'on a soumis dans Dubaï Branham. C'est nous qui parlons. Nishi et nous tout mais à la vérité, la qui nous couvre. Tu es en train de tomber. Oui, y a quoi dans la Kuanguka. Tu es tombé. Quoi dans la Kuanguka. Dans la cinquième dimension. Mou qui wango qui attend. Parce que sababu, tu n'as pas eu de fondement. Le fondement c'est Christ. C'est la parole. C'est le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. 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 Vous êtes formalisé. C'est pourquoi frère Benham. C'est très bien, nous aimons les réunions pour le baptême du Saint-Esprit. Tu as fait une expérience. C'est une bonne chose. Parce que le Saint-Esprit vient, il se fait accompagner des expériences. C'est une puissance. Tu peux tomber, tu peux crier, tu peux voir une vision, quelque chose. Quelque chose. Je ne sais pas quelle chose. Mais quand cela arrive dans ta vie, à partir de ces jours-là, ta vie commence à changer. Tu n'es plus la même personne. Tu n'as plus le même goût. Tu n'as plus la même nature. Tu es changé. C'est pourquoi frère madame me dit, voyez Angalia. Qui étiez-vous avant cette expérience? Et qui êtes-vous devenu après cette expérience? Tu es toujours la même personne colérique. Tu es toujours la même femme têtue. Tu es toujours la même fille qui porte mal. On te reproche le diable de dire tu es mal habillé, tu boudes. Et tu as fait une expérience. Laisse-moi te dire. Si après cette expérience, ta vie n'est pas changée. Oublie cela. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Continue à chercher. Parce que le Saint-Esprit, quand il entre dans la vie, ta vie doit changer. Ta nature doit changer. Amen. 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 Saisir la vision du Messie. Kushika ono ya ujumbe. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Ce message n'est pas un message pentecôtiste. Amen. 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 Je suivais l'autre fois le témoignage. Il est quoi la photo pas au Shuda? C'est qui ici? Tony Osborne. Yanduku Tony Osborne. Il avait bien sûr parlé du prophète Branham. Alors il montrait un jour quand. Dans une réunion, il y avait une fille aveugle qui ne voyait pas. Alors frère Branham a prié. Il a parlé simplement et calmement. Il a dit, toi esprit de cécité, je t'oblige de quitter ce corps. Na kulazimisha utoke ndani ya mtoto. Au nom de Jésus Christ. Mujina la Yesu Kristo. Et je proclame la délivrance de cet enfant. Na mimi nasema uponyaji wa huyu mtoto. Chère petite fille, binti, ouvre tes yeux et vois. Fungula macho yako uanze kuona. La fille
Binti akafungula macho. Qu'est-ce que tu vois? Uko naona kitu kani? Regarde. Angalia mbele. Hao wasa lui montrer. Banaanza kumuonesha sasa. C'est quoi? Ah, c'était un habit blanc. Ni kitu kani? Nasema ni nguo mimi naona. Ça c'est rouge. Hii ni nguo fulani ya rangi fulani. Tonyos bonadi. Tonyos bonadi anasema hivi. Il a failli tomber. Alikuwa karibu kuanguka. Parce que selon lui, anasema kufuatana na yeye. Dans sa religion. Mudini yake yeye. Il fallait crier. Ilipashwa mambo ya vile kulalamika. C'est ça le pantégodie. Mais il dit cet homme-là. Très simplement. Il a parlé. Très simplement. Et le démon lui a obéi. Quand les démons vous obéissent, c'est quand ils voient celui qui est en vous. Vous n'êtes rien. Moi, je ne suis rien. Je suis un homme contre tout le monde. Mais celui qui est en vous est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand, est plus fort que les démons qui te tourmentent. C'est pourquoi en son nom, quand j'ordonne à ces démons de partir, les démons regardent, ils ne me voient pas, ils voient l'homme de Galilée. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que c'est lui qui l'a toujours vaincu. C'est Jésus qui l'a toujours vaincu. Amen, 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 amen. 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 Donc je disais, ce message n'est pas un message pentecôtiste. Amen. 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 On ne s'arrête pas seulement aux émotions. A tous bien que nous aimons les émotions. Il n'y a pas de religion sans émotion. Il faut chanter. Il n'a pas mais à côté des émotions. Ça kutoka msisimuko. Amen. 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 Nous croyons dans le christianisme réel. Tunaaminia mu kristiani wa kweli. Un Dieu vivant. Mungu wa kweli. Un Dieu réel. Mungu wa bya kweli. Un Dieu qui parle. Mungu le konasema. Un Dieu qui agit. Mungu le konatenda. Un Dieu qui est parmi son peuple. Mungu mwenekwa katikati ya uma yake. Dieu dans son peuple. Mungu katikati ya uma yake. Amen, 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 amen. 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 Donc il faut saisir la vision. Ce message n'est pas le message pentecôtiste. Ce n'est pas le message de Noé. Ce n'est pas le message de Moïse. Celui-ci, c'est le message du temps de la fin. C'est Dieu parlant dans les derniers jours. Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui a parlé? Il a utilisé un prophète. Mais c'est Dieu qui a parlé. Amen. 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 Suivez un peu les prophètes. Mufate quoi, Nabi? Dans le message, la voix pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Mujumbe njia yeye kutarisha na Mungu juu ya leo. Frère Branham dit ceci. Nduku Branham anasema hivi. Il dit, paragraphe 8, jusqu'à 10, on peut même sauter, lire aussi 13, 13 et 14. Suivez attentivement. Dieu a toujours eu une voix. Mungu anekalaka tuna njia. Mais il y a deux voix. Lakini kuna manjia mbili. C'est-à-dire, nos voix à nous, manjia yetu sisi, ou bien ses voix. Wala njia yake. Dieu a une voix pour aujourd'hui. Mungu ana njia moja juu ya leo. En effet, kwa hivi, il a toujours pourvu d'une voix pour tout. Yeye anatayarishaka tu njia. Dieu au commencement, Mungu kumwanzo, connaissait la fin. Alikuwa kasha kujua kumwisho. Est-ce que vous croyez cela? Munaaminia ile. C'est en cela qu'il est Dieu. Njo kwa ile ko Mungu. Dieu n'est surpris par aucune chose. Mungu, kake na kintu il n'y a rien qui peut surprendre Akuna Dieu. Kintu il Mungu. Connaît toutes choses. Il connaissait la fin avant le commencement. Ya kintu kabla ya mwanzo kuwako. Il connaît qui seront enlevés ici. Anayua sema. Bayi batatanduliwa hapa ni banani. Amen. 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 Amen.
Il dit, anasema hivi, Dieu a une voix pour aujourd'hui. Mungu ananjia juu ya leo. En effet, kwa hivi, il a toujours pourvu d'une voix. Yeye anatarisha katunjia pour tout. Dieu a yote. Dieu au commencement. Mungu kumwanzo. Et c'est la fin. Aliyoka mwisho. Alors il a disposé ses écritures. Na hivi akatayarisha maandiko. Pour chaque âge. Juu ya kila kizazi. Et l'âge en question. Na kizazi kenyewe. Quand il arrive. Kama kinafika. Il dit maintenant ne manquez pas de voir ceci. Anasema hapa sasa mushipuse kupata hii. Quand frère Baram dit ça c'est pour insister. Wakati tuko Baram anasema vile nikusema na kwenda kukazia. C'est pour attirer notre attention. Ni Dieu kukota angalisho yetu. Maintenant ne manquez pas de voir. Anasema hapa sasa hapa mushipuse kupata hii. De voir ce qui suit. Kuona nini? Maintenant, ne manquez pas de voir ceci. Ça, ça, moi, je pense qu'on a eu. L'âge en question. Quand il arrive. Comment qu'il n'afrique. Généralement. Kwa wingi, le ministère est tellement embrouillé. Pas le utuma inafurukwa. Dans les ismes. Muma tukio. Et tout, les ismes dans les doctrines. Muma tukio wala muma fundisho. Et dans des traditions. Wala muma destour. Qu'il est à 1 million de mille de la parole. Inaweza kwenda mbali kabisa ma milioni ya neno. Et alors Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène. Sasa pale, Mungu anatumaka tu mtu fulani kiwanzani. Un prophète. Anatumaka nabii moja. Et ce prophète. Na yule nabii. Trois points. Nukutata. Dieu ne change jamais son système. Mungu habadilishake kamwe mtindo wake. C'est que Dieu a un système. Ni kusema Mungu ana mtindo fulani. Mais il faut saisir, comprendre le système de Dieu. Inapasha kushika ile mtindo. Dieu ne change jamais son système. Mungu habadilishake wala habadilishake. Il ne change jamais ses voies. Yeye habadilishake njia yake. Il agit toujours de la même manière. Et qu'on attenda, mouille namna moja moja. Il l'a toujours fait. Mouille namna natenda. Il doit le faire cette fois-ci. Ataitenda tena apasasa. Et c'est par ce moyen que Dieu agit. Na kupitia ile namna ile Mungu anatenda. Et confirme cette parole-là. Na atatipitisha ile neno. Comme je vous le disais hier soir. Sawa nilikuwa nambia jana magharibi. C'est Dieu qui fait sa propre interprétation. Ni Mungu anatafsiria neno lake peke yake. Dieu n'a besoin de personne pour lui interpréter la parole. Mungu haikalake itaji na mtu hata mmoja aje kutafsiri neno lake. Il l'interprète lui-même. Et qu'on atafsiria yeye mwenyewe. En la confirmant. Mukuitipitisha. En la rendant réelle. Et quand Dieu dit na kama Mungu anasema, qu'il fera une certaine chose ya kwamba, atatenda kwa kitu fulani, et qu'ensuite il l'a fait na kisha ye kukitenda, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Pale, hakuna shaka hata moja. C'est sa manière de faire. Ile ndio namna yake ye kutenda. Amen. Amen. Nous sautons. Tunaluka. Paragraphe 13. Tunasoma 13. Mais chaque âge a sa part de l'évangile. Lakini kila kizazi iko na sehemu yake ya injili. Déjà prédite. Yenyesha kutayarishwa. Est-ce que je peux entendre des amen? Naweza kusikiliza kwa amina. Chaque âge. Kila kizazi a sa part de l'évangile. Iko na sehemu yake ya injili. Déjà prédite. Yenyesha ilikwisha kusemwa. Bien avant la fondation du monde. Kabla ya misingi ya dunia kuwa. Dieu, Mungu, savait qu'il enverrait la parole, alijua la plénitude de la parole, utele wa neno, l'entièreté de la parole, neno lote, au temps du soir, muwakati ya magharibi. Et il a prédestiné ses élus, ses enfants qui doivent croire ce message. Batoto yake penye balipasha kuaminia ile ujumbe. Il a prédestiné un messager. Alitarisha mujumbe. Amen. Amen. Qui devait amener un message. Ule alipasha kuye na ujumbe. Apprécié aux gens. Ya kubiri, kubiri watu. Et parmi ces gens à qui il allait prêcher. Na katikati ya wale bantu alipasha kubahubiri. Il y a des élus. Kuko wateule. Qui doivent croire ce message. Bale walipasha kuaminia ile ujumbe. C'est pourquoi dans Malachi chapitre 4. Njo kwa mana Malachi sura ya ine. Comme je vous l'ai toujours dit. Ile vile nasemaka. Il y a trois personnages actifs. Amen. Amen. Je vous enverrai Élie le prophète. Je là. Il est tamitumi. Le je là. Qui envoie Élie? C'est je. Ni Mungu. Je vous enverrai. Nasema ntamitumia. Élie le prophète. Elia nabi.
Qui est-ce qui envoie Élie le prophète? Nani konatuma Élie nabi? C'est je. Ni Mungu. Qui est je? Ula sema ta mimi tatuma ni nani? C'est le je suis. Ni kusema ni yule eko. Le grand Elohim. Ule Elohim. C'est l'éternel. Ni wa milele. C'est le Dieu tout puissant. Ni Mungu mwenyezi. Le Dieu des prophètes. Mungu wa wanabi. Le Dieu des esprits des prophètes. Mungu wa maro ya wanabi. C'est lui qui envoie Élie le prophète. C'est le premier personnage. Qui agit. Il est actif. Je puissant. En fait. Le deuxième. Wapili. Élie le prophète. Élie Nabi. Élie qui est envoyé, c'est un prophète. Élie ule anatumwa ni Nabi. Avec l'esprit d'Élie. Mwenye kuya na roho ya Elia. Avec une mission. Mwenye kuwa na kazi. Et ramener. Ya kurudisha. Il ramène qui? Eko narudisha nani? Il y a des enfants. Kuko batoto. Qui doivent croire ce message. Bale banapasha kuaminia ujumbe. Où sont ces enfants? Bale banye batoto be kwapi? Mais c'est nous autres. Yoshi hapa. Amen, 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 amen. Donc, ni kusema, chaque âge, kila kizazi, a eu sa part de l'évangile, sa portion. Kilipataka sehemu yake ya injili. Amen, amen. Mais chaque âge a sa part de l'évangile. Lakini kila kizazi kina sehemu yake ya injili. Qui est déjà prédite. Kenye kilikuwa kisha semwa. Cette Bible. I Biblia. Est la révélation complète de Jésus-Christ. Ni ufunuo mutele ya Yesu Christ. Est-ce que je peux entendre les amen? Naweza kusikiliza kwa amina. Dans cette Bible. Mundani ya I Biblia. On parle de la création. Beko nasema mambo ya umbaji. Moïse a écrit. Musa aliandika. Des choses qui existaient avant qu'il ne soit né. Bintu benye birikuyaka ko kabla ye Musa kuzalikwa. Kaya ndio au commencement. Wakati Musa anasema kumwanzo les cieux et la terre. Mungu aliumbaka mbingu na dunia. Est-ce qu'il était là? Musa mwenyewe alikuwa anaandika kuyaka ako. Tout ce qu'il raconte. Bile bintu byote ko nasema. Il n'était pas là. Ashikukuyake ko. Parce que c'est un prophète. Kwa sababu yeye ni nabii. Nous devons connaître qui est un prophète. Tunapasha mbele kuyua sema nabii mwenyewe ni nani? Un prophète, ce n'est pas un homme comme vous et moi. Nabi, ana mundu sawe na miye. Un prophète, Nabi, c'est un homme, ni mundu, que Dieu a créé spécialement. Mwenye mungu aliumba kwa upeke. Il peut avoir des visions tout en étant éveillé. Anaweza kuona maono mwenye kuangalia. Il peut entendre Dieu lui parler. Pendant que vous êtes là, il y a un silence absolu. Mais lui entend Dieu lui parler. C'est un homme qui peut vivre à la fois dans différentes, dimensions. Il est avec vous. Amen, amen. 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 Il va au ciel. Anenda tena kumbingu. Il va au ciel. Anenda kumbingu. Et puis il revient. Kisha narudia tena. Il est avec vous. Eko pamoja na moyo. Et puis il rentre. Kisha narudia. Vous avez 60 ans. Unaona miaka 60. Il rentre 50 ans en arrière. Anarudia nyuma ya ile miaka 50 nyuma. Dans votre vie. Mu maisha yako. Il vous voit quand vous n'aviez que 10 ans. Anakuona wakati uko na miaka 10. Ça. Il est. C'est un prophète. Ule ndo nabii. Alors Moïse, sasa Musa, il a écrit ariandika sur la création. Ariandika pa maumbaji. Il n'était pas là. Mwenye kona biandika shikuku yake. Comme c'est un prophète. Samuel alikuwa nabii. Je l'ai pris. Mungu alimchukua. L'a amené. Akamupeleka. Au commencement. Akampeleka kumwanzo. C'est pourquoi il a vu. Ndio kwa maana alionaka. Il a vu. Aliona. Un prophète. Nabii. C'est que qui a une longue vision. Il a vu le commencement. Il a écrit tout ce qui est. Il a écrit. Lui a même vu le serpent. Avant que le serpent soit maudit. Il a vu comment le serpent marchait. C'était un beau gars, un gaillard. Amen. Amen. Quelqu'un qui pouvait séduire elle.
Moïse a vu ça. Moussa aliona bile biote. Il a écrit. Akabianjika. Amen. Amen. C'est un prophète. Nabi. Mais en ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé Élie le prophète. Un prophète comme Moïse. Nabi sawa Moussa. Mais plus que Moïse. Parce que Moïse s'était arrêté seulement dans sa vision, il s'est arrêté au commencement. Mais frère Branham est allé aussi au commencement. Il a vu le commencement. Et puis, il est allé. Il est allé. Il est allé. Dans l'éternité. Et il a vu Dieu. Quand il n'était pas encore Dieu. Et un matin, il vient devant l'église. Il dit, je vais vous parler d'un mystère, d'un triple mystère, de quelque chose qui était dans la pensée de Dieu. Non seulement il pouvait discerner les pensées du cœur, mais il vient parler de quelque chose qui était dans la pensée de Dieu. Ah! C'est le prophète que nous avons reçu aujourd'hui. Pourquoi je dis il est plus que Moïse? Il est allé au-delà. Pourquoi je dis qu'il est plus que Moïse? Parce que le ministère même de Jésus-Christ s'est réincarné. Jésus est descendu. Jésus s'est voilé. Jésus a utilisé frère Branham. Jésus a parlé. Il a utilisé les lèvres de Branham, les mains de Branham, le corps de Branham. Yes. Alléluia. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Hey, wapendo anduku na wadad. Wapendo anduku na wadad. On ne doit pas jouer avec ce message. A tu pas chakuchoza na hii ujumbe. Lui-même nous dit. Yemo anatuambia hivi. Ce n'est pas moi qui dis. Aina mini kona sema. Dites ce que disent les bas. Musema paka kile kande na sema. Parce que ce n'est pas moi. Kwa sababu aina mini. C'est lui. Lakini ni yeye. C'est lui qui parle. C'est Jésus qui parle. Amen, amen, amen. 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 Et croire cela. Na kwa minia ile. Marcher dans cela. Kutembea ndani ya ile. Méditer sur cela. Na kwanza kufikiri juu ya ile. C'est cela l'expiation aujourd'hui. Il est de l'œuvre leo. Jésus a payé le prix pour notre expiation. Amen. Amen. Il a promis. Mais quand le fils de l'homme vient, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le fils de l'homme devait se manifester sur la terre dans un vase. Le même Jésus, il a laissé son corps sur le trône. Il est descendu. Amen. 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 Or Dieu a choisi un homme pour prêcher la parole. Il est souverain. Il est tout puissant. Il pouvait ordonner au soleil de prêcher. Il pouvait ordonner à la lune de prêcher. Il pouvait ordonner aux étoiles même de prêcher. Même aux arbres. Mais dans sa souveraineté, Dieu a choisi l'homme. Akula ye muntu.
Et quand Dieu est dans sa forme, wakati Mungu kwa muumbo lake, théophanique, ya théophania, dans sa forme de la parole, muumbo lake ya ro, ya neno, il ne prêche pas. Yeye haubiri yake. Il a besoin d'un corps. Yeye anahitaji mwili. Comme il est descendu, sabi alishuka, ça là-bas, kule, là, kule, c'est Jésus, ni Yesu. Mais sous quelle forme? Muumbo kani? Sous quelle forme? Muumbo kani? C'est la parole. Ni neno. C'est la forme théophanie. Ni ufone théophane. Il a besoin d'un corps. Pale anahitaji mwili. Mais il a laissé son corps. Aliacha mwili wake. C'est pourquoi il est venu. Njoko mana alifika. Demander le corps de Branham. Akalomba mwili ya Branham. Il a emprunté. Aliazima. Et frère Branham me dit. Ndugu mwana sema hivi. Je suis fier. Mimi niko mwenye heri kabisa. De lui prêter. Yami kumazimisha. Il dit c'est quoi un don? Asema zawadi ni kitu kani? Un don. Zawadi. C'est savoir s'écarter. Ni kuyua namna ya kujiachilia. Frère Branham s'est écarté. Ndugu mwana alitoka paeka pembeni. Et Jésus a pris le contrôle. Na Yesu akachukua fasi. Cela aveugle beaucoup. Na ile nyeko na fufesha wa mingi. Cela ouvre les yeux des élus. Na iko na fungula mecho ya wateule. Quand les élus voient, wakati wateule wanaona, ils ne l'adorent pas. Aba mwabutu. Cela ne fait pas de Branham un Dieu adorable. Ile nyewe aifanya sema Branham anakuwa Mungu wa kuabudu. Amen. 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 Frère Branham me dit, Nduku Mama sema hivi. C'est ça qui vous semble inje kuna mikui ya nguvu. Distinguer le messager. Kwachanisha mjumbe du fils de l'homme, l'ange de l'Éternel qui vient. Mwana wa mtu malaika wa milele. Il dit, anasema hivi. Le messager terrestre asema mujumbe wa padunia n'est pas le fils de l'homme. Yeye hana mwana wa mtu. Même la colonne de feu ata nguzo la moto n'est pas le fils de l'homme. Aina mwana wa mtu. La colonne de feu nguzo la moto dans le messager terrestre wakati mujumbe les deux ensemble kama inapatana mujumbe wa padunia sa forme le fils de l'homme pale sasa ndio inatunga mwana wa mtu. Un prophète. Nabi. Amen. Amen. Le messager n'est pas le fils de l'homme. Mais il révèle le fils de l'homme. Amen. Amen. Si vous croyez cela, kama unaminia ile, vous vous conformez à cela. Unajilinganisha nayo. Vous êtes baptisé au nom de Jésus. Unabatizwa mjina la Yesu Kristo. Vous croyez ces choses. Unaminia hivi vitu. Vous vous sanctifiez. Unajitakasa. Vous combattez le bon combat de la foi. Unapigana vita ya imani. Vous rejetez tout fardeau, tout péché qui vous enveloppe si facilement. Unatupilia zambi yote na kuzunguka kwa wepesi. Quand Dieu regarde votre travail, wakati mwangalia kazi yako, Dieu agrée cela. Mungu anaikubali. Il vous scelle de son sang. Pale anakuchapa na muhuri wake. Il vous baptise du Saint-Esprit. Anakubatiza na Roho Mtakatifu. Mungu Branham dit. Tuko Branham sema hivi. À partir de ce moment-là. Kuanzia ile wakati, Dieu ne peut plus vous perdre. Mungu hashawezi kukupotesha tena. Je ne peux plus vous perdre. Mungu hashawezi kukupotesha tena. C'est là que nous verrons notre partie. Pale nous tutaona sehemu nyingine. Pendant la semaine. Katikati ya juma. À ce niveau-là. Pale wakati. Je ne peux plus vous perdre. Mungu hashawezi kukupotesha tena. C'est juste. Hakika vya kweli. Mais. Lakini. Vous payerez. Utalipa. Pour tout ce que vous ferez. Dieu ya biote bila kunafanya. Il ne peut plus vous perdre. Hashita kupotesha tena. Amen. Amen. Vous péchez, unatenda zambi, vous tombez, unaanguka, vous vous repentez, unatubu, mais vous payez. Lakini utalipa paka. Nous verrons comment frère Branham a payé dans sa vie. Utaona namna kanindu kwa maisha yake. Comment les serviteurs ont payé. Namna kanibatumisha Mungu bado analipa. Mais pour se perdre. Lakini Dieu akukupoteza. Ça c'est autre chose. Ile ni kitu kingine. L'âme est déjà sauvée. Nafsi yako ishakuokolewa. Mais vous payez. Lakini Dieu akulipa utalipa. Pour tout ce que vous ferez. Dieu a biote bile kuna tena. Amen. Amen. Ça nous verrons pendant la semaine. Dans un sujet que nous allons introduire comme sous-sujet dans ce thème. Alors nous continuons avec notre introduction. Il dit.
Mais chaque âge a sa part de l'évangile. Lakini kila kizazi kina sehemu yake ya injili. Déjà prédite. Kenye kilisha semwa. Cette Bible, hii Biblia, est la révélation complète de Jésus-Christ. Ni ufunuo mutele ya Yesu Kristo. Rien ne peut plus y être ajouté. Hakuna kitu kinaweza kuongezwa. Ni en être retranché. Wala kuondoshwa. La personne qui le fait est maudite. Mtu akutenda ile mambo ya analainiwa. N'osez pas ajouter vos pensées dans la Bible. Weye, ushipime wala kusubu. Ne retranchez pas une parole de la Bible. Ushipime hata kidogo kutoondosha. Si vous le faites, comme on attend ta fille, ainsi dit frère Branham, if you took Branham and said, vous êtes maudit. On a la niwa. Tu sais qu'il dit ici? Dieu vient à la sème. Il dit ici. À la sème, la personne qui les fait est maudite. Mutu wa kutenda vile analaniwa. Nous ne pouvons rien y ajouter. Si si atuwezi kuongeza kitu. Ni rien en rétro. Atuwezi hata kuondosha kitu. Peut-être quand j'ai dit ainsi dit frère Branham, c'est parce que j'ai lu frère Branham, c'est qu'il avait déclaré. Kwa sababu pale mimi nasema hivi tu Branham anasema ni juu nasoma ndugu Branham. Mais c'est ainsi dit le Seigneur dans la Bible. Lakini hiki mimi nasema kiko ndio ndani ya Biblia hivi Bwana anasema. Apocalypse 22. Mufunuo 22. C'est lui qui ajoute. Mwenye kongesi, sa part sera retranchée. Sehemu yake itaondoshwa. Attendez, je vous lis ça. Chunga kwanza nimisomee. C'est un prophète messager. Quand il parle, il parle de la parole de Dieu. Wakati anasema kutokea kwa Mungu. Voici ce qu'il dit. Musikilize kwanza kine kinasemwa hapa. Apocalypse 22, donc la fin même du livre d'Apocalypse. Mwisho kabisa ya kitabu cha Ufunuo. Je peux lire les trois premiers. Bon, à partir du verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Mimi natangaza hivi kwa yule yote atasikia misemo ya hii. Si quelqu'un y ajoute quelque chose. Kama mtu anaongeza kwa kitu fulani, Dieu le frappera. Mungu atampiga. Des fléaux décrits dans ce livre. Na bivimbo wala vitu vyote mimi nasema ndani ya Biblia. Des fléaux. Vous êtes maudits quand malana yote yenye nasema ndani ya Biblia. Et si quelqu'un retranche quelque chose. Na kama mtu anatosha mo kitu fulani. Des paroles du livre. Kumisemo yenye kwa ndani ya hii maandiko. Dieu retranchera sa part de l'arche de la vie. Et de l'arbre de la vie. Mungu atatosha sehemu yake kumuti ya uzima. Et de la ville sainte décrite dans ce livre. Na mumuji takatifu yenye kuandikwa ndani ya hii kitabu. Et celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Na mtu yote msikilize hii bitu ayo asema niko nakuja. Amen Seigneur Jésus. Amen Bwana Yesu Kristo. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Neema ya Bwana iwe pamoja nawe. Donc c'est le ainsi dit le Seigneur. Ni kusema hii ni vile Bwana anasema. C'est dans la Bible. Iko ndani ya Biblia. Vraiment la répéter aussi. Duko bwana manaye alirudilia tena. Alors il dit nous devons regarder ici. Anasema tunapasha kuangalia hapa. Et voir ce qui est promis pour cet âge-ci. Na kuona benye binadiwa juu ya hiki kizazi. C'est ça que j'amène les gens à saisir la vision du message. Qu'est-ce qui est promis pour cet âge-ci? Pafike mkushika ono ya ujumbe. Ni kitu kani kinaandikwa. C'est quoi même le message? Ujumbe yenyewe ni kitu kani? Comment devons-nous nous préparer? Si benye utrapasi kutayarisha na muna kani? Il faut saisir cette vision. Inapasha kushika hiyo ono. Il dit, nous devons regarder ici et voir ce qui est promis pour cet âge-ci. Anasema tunapasha kuangalia hapa na kuona kenye kinadiwa mwiki kizazi. Et ensuite le voir se produire. Na kisha kuona kio kutendeka. C'est Dieu qui interprète sa parole. Ni Mungu kwa tafsiria neno lake. Quand il y a été dit, wakati lisemwaka, une vierge concevra. Ya kwamba bikira fulani atachukua mimba. Elle a conçu. Ya kachukua kapata ka mimba. C'est ça qui en est l'interprétation de Dieu. Ile yenyewe kisha bikira kuchukua mimba. Njoo kwa tafsiri ya neno la Mungu. Ce qu'il promet. Kenya aliadia. C'est ce qu'il fait. Njoo kile iko natenda. Maintenant. Sasa hii. Nous voyons que Dieu ne change pas ce système de faire les choses. Tunaona sema Mungu habadilishake namna yake kutenda kutenda. Il fait toujours
toujours les choses de la même manière. Nous nous changeons constamment parce que nous sommes limités. Nous faisons toutes sortes d'erreurs. Et nous pouvons nous améliorer et devenir meilleurs. Mais Dieu est infini. Dieu ne peut pas s'améliorer. Dieu ne change pas. Il est infini. Il est éternel. Quand il dit quelque chose, la chose doit arriver. C'est pourquoi il a loti sa parole pour chacun. Amen. 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 Il est infini. Amen. Amen. Mais Dieu est infini. Mungu, sa première décision reste tout le temps parfaite. Mpango yake ya kwanza inabaki paka vile kawaida. Il ne peut pas devenir plus intelligent. Yeye hawezi kuwa sema anakuwa na akili sana kupita. Il a été le 3 points. Yeye alikuyaka nukutatatu. Il est la source de toute sagesse. Yeye ndio chemu chemu ya hekima yote. Il est toute la sagesse. Il est toute la puissance. Il est omnipotent. Omnipotent. Omniprésent. Ça veut dire il est le tout puissant. Il est omniprésent. Il est partout. Nikusema eko fashi yote. Amen. Amen. Il est omniscient. Yeah, anayua biote. Il connaît toutes choses. Anayua kila kintu. Il est toute la puissance. Mungu eko na uwezo wote. Omnipotent. Yeye ana uwezo wote na eko fashi yote. Omniscient. Anajua kila kitu. Infini. Na ana ta mwisho. Ainsi donc. Kwa hivi. Quand il dit quelque chose. Kama anasema kitu fulani. Accrochez-vous-y. Wewe shika kile kitu anasema. Comment? Namuna kani et toute votre âme. Ushika kile kitu na nafsi yako yote. Parce que c'est vrai. Kwa sababu ni bia kweli. Amen. 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 Je n'entends pas de grands amen. Shishike maami na kupwa. Faut dire amen, même un démon d'incrédulité qui rôde là-bas va quand il entend cet amen sortir de ta bouche. Il va s'enfuir. Inapasha kusema amina kubwa. Hata ule pepo chafu kutoka mimi kwa pembeni yako. Akishika ile amina kubwa anakimbia. Dieu est le tout puissant. Mungu ni mwenyezi. Il est omnipotent. Yeye eko fashi yote. Il est omniprésent. Yeye eko fashi yote. Il est omniscient. Anayua kila kitu kyote. Il est infini. Tous les croyants, c'est ce que Dieu. Tout qu'on a mis à ville, Dieu qui le mungu eko. Abadirikake. Amen. Amen. Donc, il a noté sa parole pour chacun. Nikusema, arikabula kaneno yake Dieu qui sa sécurité. Parcourons un peu rapidement les quelques âges pour comprendre bien. Tuseme ko kwa haraka, juu ya bizazi bingine, Dieu amuelewe ko mzuri. Voyons un peu du temps de Noé. Tone mbele mu wakati ya Noa. Là, je vais lire le prophète. Pale mita soma nabii. Allez vite vite. C'est une introduction que vous avez une idée. Ntenda tu kwa haraka. Hiyo tei ni kiingilio tu mupate kwa akili wala nia yake nitasema. Suivez un peu. Mufate kwa. Dans le message. Mujumbe. Le messager du soir. Mujumbe wa wakati ya magharibi. Le messager du temps de la fin. Wala mujumbe wa wakati ya mwisho. C'est un message le 16 janvier 1963. 16 janvier 1963. Suivez. Mufate. Paragraphe 96. Kipindi makumi kenda na sita. Je vais longuement lire. Tutasoma iko mulefu kabisa. Je vais lire en sautant. Lakini tutasoma tuko na Luka. Je citerai chaque fois. D'abord 96 à 99. Tasoma kwanza makumi kenda na sita hadi makumi kenda na kenda. Suivez attentivement. Mufate kwanza. Noé, dont nous prenons le temps de Noé. Nous avons déjà compris que Dieu a loti sa parole. Tutabeba kwanza wakati ya Noa. Munajua sema Mungu ni mwenye kukubali neno lake. Il a envoyé une part de l'évangile pour chaque
alituma ko sehemu ya injili juu ya kila kizazi. Là nous sommes au temps de Noé. Hapa sasa tuko na semezea juu ya mambo ya wakati ya Noé. Au paragraphe 96 il dit. Kipindi kia makumi kenda na sita. Noé était le témoin de Dieu pour le temps de la fin du monde antédiluvien. Noa alikuwa kama mshuhuda wa Mungu juu ya ile wakati ya tarika ya mvua. C'était aussi un temps de la fin. Il y a quoi qu'on a na wakati ya mwisho. Dieu devait détruire le monde. Mungu alipasha kuharibu dunia. Antédiluvien. Na mvua. Donc le monde avant le déluge. Ni kusema kabla ya mvua kunyesha. Ce monde là. Ile Dieu dunia devait le détruire. Mungu alipasha kuharibisha. Il y avait de la méchanceté sur la terre. Kulikuwaka uovu mingi pa dunia. Il y avait des mariages mixtes. Kulikuwaka kuoana kwa des unions libres. Kulikuwa kuoana kwa uhuru. Et les gens s'étaient multipliés sur la surface de la terre. Na bantu benyele wakati balizidi kabisa pa dunia. Le tableau du temps de Noé, nous le voyons aujourd'hui. Kile kibawa kia wakati ya Noa tuko na kiona leo. C'est pourquoi Jésus dit ce qui arriva du temps de Noé. Njo kwa maana Yesu kuna sema hivi. Kile kilitendeka kwa wakati ya Noa kitafika tena sawa sawa. Est-ce que les gens se sont multipliés sur la terre? Hapa tuko na sema bantu beko ba mingi pa dunia. Beaucoup de gens. Bantu beko tel. Là c'est FAO. Qui est chargé de la nourriture. FAO, wala nataka byakula ni FAO. Le programme mondial pour la nourriture. Ils font tout. Bale benyima leta bale napacha bantu byakula beko nafanya nguvu yapo yote. Ils disent que la population ne fait que s'accroître. Aizuru ile nguvu beko natoa bantu beko paka na salada. Si ça continue à ce rythme. Kama tu binaendelea hivi. On va manquer à manger. Tutashinda byakulia. C'est pourquoi les hommes de science njo kwa maana avec l'hybridation bakiri banaanza kuchanga changa bintu na matawa. Beko nafanya sema byakula biko bya mingi. Même les poulets, on injecte des poulets. Vous avez un poulet de 2 semaines qui pèse, je ne sais pas. Kuku na yebe kwa mutuanga madawa. Kuku tu wa majuma mbirangane kuku bunene. Vous essayez les os, ce n'est même pas des os. Unapima tu mufupa, aina ta mufupa yenyeo. C'est pour satisfaire. Il est bien qu'on a fait une ville. À la surpopulation du monde. Batocheke koko bantu wanapita bwingi. C'est ainsi qu'on commence à fabriquer la nourriture artificielle. Jo pale banaanza kufanya byakula bya shobya kuotesha bya kumikono. Amen. Amen. C'est ce temps-là. Il est ni wakati. Alors Dieu en ce temps-là avait un témoin. Mungu na ye mwile yenye wakati alikuwa kako na mshuhuda. Noé était le témoin de Dieu pour le temps de la fin du monde antédiluvien. Noa alikuwa kama mshuhuda wa Mungu juu ya ile wakati ya mwisho ya tarika. Eh bien, voyez combien son message était contraire au monde antédiluvien tout entier. Angalieni namna gani ile ujumbe ilikuwa inapinzana kabisa mwile wakati ya mambo ya mvua. Quand je parle du temps de Noé, wakati nasema juu wakati ya Noa, je ne voudrais pas du tout parler de l'histoire, mais je voudrais parler de cela comme un type de ce temps. Mishi pende kusema sa vile hadisi tu. Napenda kusema ikuwe sa mufano juu ya wakati wetu. Tout ce que je décris pour le temps de Noé. Bile bete nasema juu ya wakati ya Noa. Actualisons cela. Ubifanye bikuwe bia sasa. Pour notre temps. Juu bikuwe bia wakati yetu. Amen. Amen. Son message était contraire. I ujumbe yake ilikuwa na pinzana. Au monde dans ce temps-là. Kumudunia mujima mwile wakati. Aujourd'hui notre message est contraire. Ata leo tena hii ujumbe yetu iko paka na pinzana. Amen. Amen. Le message est contre tout ce que le monde aime. Ujumbe iko na katala kabisa na bitu bile bote dunia inapenda. Le monde aujourd'hui aime peut-être la télévision, les programmes de télévision. Leo dunia inapenda tampangia télévision. Le monde vous a mis des films, toutes sortes de films. Dunia leo inatwekea mafilamu yote na mna yote. Et les gens aiment ça. Bantu mudina mapenda ile. Et le message est contre. Sasa ujumbe yo inakatala yo bile. Le monde aime s'habiller à la manière de la mode de ce monde. Dunia inapenda kuvala munamu na ya kisasa ya leo ya kidunia. Le message nous dit. Sasa ujumbe natuambia yoyi. Si le monde va à droite, kama wa leo. Kama dunia inaenda kuume, wao tenda wapi wende kushoto. A gauche. Wende kushoto. Donc je voudrais que nous saisissions. Mina penda sema tushike. Que nous comprenions. Na tuelewe. Que le message. Tu yua sema ujumbe. Est contre tout ce qui est du monde. Iko na katala wala kupinzana na biote benye kobi ya mudunia.
C'est pourquoi quelqu'un qui aime le monde ne peut pas rester dans ce message. S'il reste, c'est un croyant frontalier. C'est un imitateur. C'est un soi-disant croyant. Mais il est un incrédule. Parce qu'il fait le contraire de ce que le message prêche. Est-ce que je peux entendre des amens? Amen, amen, amen. 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 Il dit. Arasemaïf. Eh bien, cet homme, Noé, fut considéré comme un fou. Banasema, où les moyens nous, à Mouille Wakati, Balkona Mona Samu et Dabazimu. Il y a beaucoup de gens qui considèrent le prophète Branham comme un fou. Koukobantu Bamingi Léo, Bekonandou Branham Samu et Dabazim. On l'a même nommé un misogyne qui n'aime pas les femmes. Bon, ben, Banasema, où il monte à Chipendeke Banamouki. Et pourtant, c'est le contraire. Nadia pour nous, Mbalimbali. Il aimait les sœurs morales. Mais il n'aimait pas. Comme Élie de Tishbite, comme c'est le même esprit. Élie de Tishbite s'était opposé à Jézabel. Amen. Amen. Jean-Baptiste est venu, il s'est opposé à Philippe qui voulait prendre Hérodias, la femme de. Non, il s'est opposé à Hérode qui voulait prendre Hérodias, la femme de son frère Philippe. Ata Yohana mbatizaji wakati alikuja alipinzana kabisa na Herode alipenda kuchukua mke wa ndugu yake Filipo. C'est pourquoi il fut on lui avait tranché la tête. Jo kwa maana kwa ile mambo ile baka mukata kichwa. Est-ce que vous connaissez l'histoire? Munayo ile hadisi quand la fille de Herodias. Wakati binti wa Herodias dansait dans une fête d'anniversaire. Anacheza mukaramu kukumbuka mwaka kuzaliku. Le roi était content là. Mufalme anafurahi alikuwa pale. Il dit ah, frère Abraham dit une danse à la claquette. Ndugu mama anasema alikuwa anacheza mchezo mmoja ya sasa. Il y a nos sœurs qui enseignent à leur fille les danses mondaines. Kuko badata pale wanafundisha batoto yabo babinti michezo ya kidunia. Comprenez que le message est contre les choses du monde. Mwelewa sema ujumbe inapinzana kabisa na bintu bya kidunia. Amen. Amen. Au lieu que le monde puisse nous envier devenir les fils de Dieu, nous voyons les fils de Dieu qui envient le monde, les fils de Dieu qui s'habillent comme le monde. Pali pa dunia kutuiga sisi wa Kristo, tunaona sasa wa Kristo wanaanza kuiga dunia na wabinti wa watoto wa Mungu wanaanza kuiga pia wa dunia. C'est parce que vous n'avez pas saisi la vision. Kwa sababu aushike ono. Faut saisir la vision. Inapasha kushika ono. Qu'est-ce que nous sommes venus faire au message? Ni kitu gani na kwa kufanya ku ujumbe? Il était considéré comme un fou. Balikuwa na mwona saa mwenda bajimu. Noé était considéré comme un fou. Ata noa pia alikuwa saa wamazimu. Cette fille-là a dansé. Ule binti akacheza. Le roi aimé ça. Njo mufalme akafurahi. Dis viens ma fille. Asema binti kuya. Dis ce que tu veux. Sema kile kwa tunapenda. Même si tu demandes une partie de mon royaume, je te le donne. Ata kama unalomba sehemu ya mufalme yangu mita kupachia. Parole du roi. Msemo ya mufalme. La fille est allée vite voir sa mère. Njo ato kwenda mama yake sole binti. Mama nilombe ko nini? La tête de Jean-Baptiste. Moi j'aime que cet homme ici, mais Marie c'est le roi, c'est là s'oppose. Mimi n'a pas de mufalme. Allez, toujours en dansant. Allez, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Ah, bintio, on a peine de couper nini. La tête du prophète. Mimi, on ne peut pas kitcho qu'à Yohana Mbatizadi Nabi. Le roi. Njo mufalme. Il était étonné. Yaka Janga. Parce qu'il considérait Jean-Baptiste comme un prophète. Mais comme sa parole était sauvée. Même les païens respectent leur parole. Mais que dire des croyants? Même un païen respecte sa parole. Comme j'ai déjà parlé. Qu'il en soit ainsi. Bifani ke paka ville. Qu'on amène la tête de Jean-Baptiste. Kichwa ke yono mbatizaji hapo. On est allé au Ladika. On a amené la tête. Bana chinja bana kata kichwa. Vous comprenez mes bien-aimés. Munelewa wapendwa ndugu na wadada. Vous connaissez aussi l'histoire de Jephté? Munayo atena hadithi ya Jephté. Il gagne.
Amen. Amen. Il fait un vœu à l'Éternel. D'ailleurs, c'était avant qu'il aille gagner. Seigneur, si tu me donnes la victoire, je vais t'offrir un holocauste. La première personne que je vais rencontrer, quand je retournerai victorieux chez moi, la première personne que je rencontre, je te l'offre un holocauste. Dieu lui a donné la victoire. Il rentre victorieux. Dans la joie. Il vient là. La première question, c'est qui? Sa fille unique. Binti wake, mutotake mwanamke moja tu. Sa fille unique. Binti wake moja tu. Il n'en avait pas deux. Ashiko ata na bawili. Sa fille unique. Moja. Papa. Oh ma fille. Oh binti wangu. Pourquoi tu me troubles, ma fille? On a ni furu kai vitu ya nini? Je fais vol. Il va qui a poko wa milele. Je fais un vœu. Je dois te mouler. Apa, mina pasha kukutolea. La fille a dit. Binti akasema na yeye. Papa, si tu as fait un vœu. Baba, kama ulifanya kiapo. À l'Éternel. Kwa wa milele. Accomplis-le. Wewe uitimize. Nous disons, nous irons au ciel. Tuna sema tutenda kumbingu. Même ta propre parole, tu ne la respectes pas. Yawe mwenyewe uko nasema mkinyo yako uheshimie. Toutes ces choses nous sont données pour nous servir d'exemple. Ne promettez pas ce que tu ne peux pas accomplir. Même comme nous allons souscrire, vous souscrivez. Nous avons beaucoup de noms et de chiffres là. C'est sous ton nom. Tu as eu une dette. Shuku na ndeni. Tu avais souscrit. Shuri andika. C'est écrit, c'est dans la machine. Inabakia ukampita. Mais Dieu a écrit ça en registre. Mungu na ye, ari andika pale uranzo kwa andika. Amen. Amen. Mieux vaut ne pas faire un vœu. Ni muzuri kukatala kulapa. Que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Lakini kulapa bila kutimiza. Mais en tant que membre de l'église. Lakini kama mwanamembo wa kanisa. Tu dois soutenir ton église. Unapasha kusaidia kanisa yako. Par ta présence. Kupitia uwepo wako. Avec tes dîmes et tes offrandes. Na zaka na sadaka yako. Comme nous construisons. Savile tuko na yenga. Chaque membre de l'église. Kila mwanamembo wa hii kanisa hii. Est élu. Yeye anapashwa. D'apporter aussi sa part. Kuleta kwa na yeye msaada yake. Amen. Amen. Pour la construction de l'église. Juu ya majengo ya hii kanisa. Quand Dieu regarde. Wakati Mungu yuko naangalia. C'est que l'église tabernacle construit. Ni kusema lisi maskani beko na yenga. Est-ce que mon frère tel contribue? Nduku na wewe unasaidiaka? Nduku na wewe unasaidiaka? Voyez comment vous fermez les bénédictions. Angalia na mna kadimu kuna funga mabaraka. Tu ne contribues, tu demandes, Dieu donne-moi. Tu ne sais pas donner, il faut. Kuleta, nous verrons ça. Aulete, lakini unaomba mabaraka, inapasha kusaidia. Il y a la loi de semailles. Kukwako sheria ya kupanda. On récolte ce qu'on a semé. Muntu anavunaka, paka kila anapanda. Nous le verrons dans les sujets qui vont suivre. Tutaona muhima hali yote munafuata. Haina leo. Je vais parler de cette loi. Minta sema juu ya ile sheria. Amen. Amen. Vous semez. Unapanda. Celui qui sème peu. Ule kunapanda tuloko. Récolte peu. Atavuna na yeye paka tuloko. Vous semez beaucoup. Unapanda bia mingi. Vous récoltez. Unavuna na wewe bia mingi. Vous ne semez pas. Awezi kupanda. Vous ne récolterez rien. Ule mwenye ashipande. Atapata kintu. Dans le prophète Agé. Munabi Agé. Quand les enfants d'Israël sont revenus de la déportation de Babylone. Wakati watoto wa Israeli walitokea kwa Babylone. Le temple était détruit. Ekalu ilikuwa la ville était brûlée. Na mji yenyewe ilikuwa shakunguzwa. Par Nabucodonosor. Kupitia Nabucodonosor. Ils sont rentrés. Njo bakarudia. Et Dieu a dit il fallait qu'ils reconstruisent le temple. Mungu akasema bajengulule tena ekalu. Là où est Zorobabel. Pale Zorobabel. Amen. Amen. Il devait reconstruire le temple. Zorobabel alipasha kujengula tena. Il a demandé aux gens de reconstruire. Njo akaambia bantu bajengulule. Les gens ne donnaient pas. Bantu bako na leta. Je suis en train d'expliquer la loi de semailles. Hapa niko na fasiria sheria ya kupanda neno. Lakini tutabiona hivi vyote. Les gens ne le faisaient pas. Bantu bako na fanya. Ils ne voulaient pas donner. Hapa kwa napenda kuleta. Alors,
Sasa, Dieu leur dit. Je lis quand même, permettez-moi de lire. Nous sommes à Kaloko. Comme je suis, j'ai fait cette parenthèse que je lise. Sa ville mina leta koye kumbatio, nous sommes éco. Que vous ayez cette pensée là. On peut être qu'on a moyen koye. C'est âgé. Ni aga. Chapitre premier. Aga israël qui a quinze. Nous lirons aussi chapitre 2. J'ai pas prévu ça, mais c'est venu à ma pensée. C'est que peut-être quelqu'un a besoin de cela, comme nous allons souscrire. D'abord, le premier chapitre. La deuxième année du roi Darius, le premier du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Chétiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Suivez. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Quand cette maison est détruite. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, vous travaillez. Muko na panda nyingi. Et vous recueillez peu. Lakini muko na vuna kiloko. Vous mangez. Muko na kula. Vous n'êtes pas rassasié. Amujibe. Vous buvez. Muko na kunyo. Vous n'êtes pas désaltéré. Amutosheke. Vous êtes vêtu. Munava. Vous n'avez pas chaud. Lakini ampate joto. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Na mushahara ya mutu banamulipe kuna huko mfuko nye kutoboka. On vous paye votre argent. Banakulipa makuta yako. Vous mettez dans la poche. Unaweka mfuko. La poche est trouée. Mfuko nye kutoboka. Ça veut dire l'argent tombe. Ni kusema ile makuta inaanguka. On vient vous donner l'argent. Voilà, on a pas tiré ma compte. Les problèmes que vous rencontrez, tout l'argent part. Mambo ile unakutana nayo makuta yote inaenda. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ivi wa mlele anasema. Considérez attentivement vos voies. Mwangalieni manjia yenu. Montez sur la montagne. Mupande kumlima. Apportez du bois. Mulete nkunyi. Bâtissez la maison. Mujenge nyumba. J'aurai de la joie. Mimi nitakuwa na furaha pa ile. C'est Dieu. Ni Mungu. Quand les enfants d'Israël construisez la maison. Wakati tu Israel balikuwa najenga nyumba. C'est Dieu qui ordonne là ça. Ni Mungu alikuwa anagizia ile. Pour qu'il en ait la joie. Juu ya yeye apate furaha. Il leur demande montez. Amabese mpande. Apportez du bois. Mulete nkuji. Construisez la maison. Mujenge nyumba. Bâtissez la maison. Mujenge nyumba. J'en aurai de la joie. Minta kwa na furaha kisha mwe mujenga. Et je serai glorifié. Nantatukuzwa. Dit l'Éternel. Kisi wa milele na sele. Vous comptiez sur beaucoup. Ansema mkona. Voici. Vous avez eu peu. Angalia sasa munapata kidogo. Vous l'avez rentré chez vous. Mlurudia kwenu. Mais j'ai soufflé dessus. Lakini miri purisha yulu. Et peu que vous avez eu là. Il est né qui l'ont communi pas. Comment vous ne voulez pas construire la maison de Dieu? Ça veut dire on peut être couché dans du mauvais monde. Le peu que vous avez eu. Il est né qui l'ont communi pas. Vous avez rentré chez vous. Mon courroux dit à comment du mauvais monde. Qu'est-ce que Dieu a fait? Mon gars, il faut qu'il te cani. Aripolisha. A fait quoi? Arifanini. Aripolisha. Qui a soufflé? Ninani aripolisha. Qui a soufflé? Ninani aripolisha. Mon gars. Faut pas voir les problèmes avec. Papa n'a coupé ta maman dans mon gars. Vous l'avez rentré. Même le peu que vous avez gagné. Mukurudia kwa kwa ile kiloko ripata Mungu anakuwa kuipurisha. Pourquoi? Njoo ya nini? Vous demandez pourquoi? Uko najiuliza juu ya nini? Ile Éternel des armées. Qui soit le majesté na sel. À cause de ma maison qui est détruite. Juu ya nyumba yangu yenye kubomolewa. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Na japo kila mtu eko na tatanua juu ya nyumba yake. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée. Njoo kwa maana mvua ilikatala kuleta umande. La terre a refusé ses produits. Na bulongo katala kuleta mboleo. Et j'ai appelé. Qui a appelé? Na niliita. Na yaliita hapa. Répondez attentivement. Mwanze kujibu. Na sécheresse. Na naliita kipwa. J'ai appelé la sécheresse sur les pays. Njo naita kipwa juu ya nchi yote. Sur les montagnes. Pamilima. Sur le blé.
sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Vous comprenez? Amen. Zorobabel. 12. Zorobabel, fils de Shéthia, Shealtiel, Josué, fils de Josabak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Ainsi, Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Jéziel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Sadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées. Amen. Le 23. Alors, deux. Qu'est-ce que Dieu dit maintenant à Agé le prophète? Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel. Et à Josué, le souverain sacrificateur. Et au reste du peuple. Dis-leur, quel est parmi vous Nani katikati yenu qui a vu cette maison dans sa première gloire? Mwenyaro naka hii nyumba mutukufu yake ya kwanza. Comment la voyez-vous maintenant? Munaiona sasa. Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel. Sasa wewe Zorobabel, fortifie-toi Josué. Wewe Yoshua, fortifie-toi peuple entier du pays. Na mwe uma yote ya dunia. Na travaillez. Mutumike. Car je suis avec vous. Kwa sababu niko pamoja nani? Dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite à vos pères. Ninabakia mwaminifu kabisa kwa agano nilifanya na baba yenu na kwenu. À vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Na kwenu wakati mlikuwa toka mumisri. Et mon esprit est au milieu de vous. Na roho wangu iko katikati yenu. Ne craignez pas. Musiogope kitu. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Ivi wamilele wa majeshi. Encore un peu de temps. Kwa muda mfupi. J'ébranlerai les cieux et la terre. Mimi nitaunguza dunia na la mer et le sec. Nitatikisa dunia na j'ébranlerai toutes les nations. Ninajua taifa yote. Les trésors de toutes les nations viendront. Mamali yote ya madunia ya mataifa yote takuja. Et je remplirai de gloire ma maison. Na nitajaza utukufu nyumbani mwangu. Dit l'Éternel des armées. Kisi wa milele majeshi anasema. L'argent est à moi. Anasema fedha ni yangu. Je n'entends pas les amen. Sisikilize maamina. L'argent est à qui? Fedha ni ya nani? L'argent est à moi. Fedha ni yangu. Amen. Amen. L'or est à moi. Zabu ni yangu. Dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison utukufu hii nyumba ya mwisho sera plus grande itakuwa ya yulu que celle de la première. Kushindia ya ile nyumba ya kwanza. Dit l'Éternel des armées. Kiswa milele majeshi anasema. C'est dans ces lieux que je donnerai la paix. Ni muima makao nitaleta salama. Dit l'Éternel des armées. Kiswa milele wa majeshi anasema. Et quand ils ont reconstruit. Kisha bo kujenga. Dieu les a bénis. Mungu alibabariki. Frère Branham en parle, nous verrons cela. Mungu Branham kuna bisemeze tutabiona. C'est pourquoi. Njoko amana. Comme je l'avais pas annoncé au début de la réunion. Savile chikuseme kumwanzo mkusaniko. Le vendredi nous aurons une réunion de prière. Mukazitano tutakuwa na mkusanyiko kwa maombi ya upekee. Nous prierons aussi. Tutaomba tena. Pour la construction de cette église. Juu ya majengo ya hii kanisa. Parce que rien que cette construction peut bloquer des bénédictions à beaucoup d'enfants. Kwa sababu kupitia tu hii majengo inaweza kufunga mabaraka ya mingi watu wa Mungu. Ceux qui ont des dettes qui ne savent pas payer. Vendredi, nous aurons une réunion spéciale de prière. Nous aurons d'autres requêtes, mais la requête principale, c'est pour la construction de notre église. Je m'en vais terminer cette introduction. Mimi, naenda na kumaliza kabisa hii kiingilio. Que je termine maintenant. Naanza kumaliza. Je n'avais pas fini la lecture, je lisais.
Lakini usomi ile nilikuwa nasoma nilikuwa siamaliza. Alors, on parlait du temps de Noé. Tulikuwa nasema juu mambo wakati wa Noa. Permettez que je termine cette. Muniruhusie kunimaliza tayari nilikuwa nasoma. C'était une introduction. Hii ni kiingilio tu. Alors, quand les gens se mirent à pêcher, wakati watu walianza kutenda dhambi, alors Dieu est descendu. Ndio Mungu akashuka. Et Noé a prêché le message du temps de la fin. Na Noa akahubiri ujumbe wa wakati ya mwisho. Avant cela il dit, kabla mbele ile anasema hivi. Avant cette phrase j'ai sauté. Kabla hii msemo mimi niliruka. Nous avions lu où il était dit, eh bien cet homme fut considéré comme un fou. Nasema huyu mtu alikuwa alikuwa anamwona sawa vile mwenda bazimu. Bwana mosi fut considéré comme un fou. Hata ndoko bwana mpia alikuwa anamwona kama mwenda bazimu. Même aujourd'hui on le considère comme un fou. Hata leo watu wanamwona kama mwenda bazimu. Et pourtant, na japo, il avait exactement la parole du Seigneur. Alikuwa na neno la Bwana. Eh bien, Dieu avait parlé. Mungu alisemaka. Il ne pouvait pas tolérer le péché. Yeye hakupasha kuvumilia dhambi. Quand les gens se mirent à pécher, wakati watu walikuwa wanatenda dhambi, alors Dieu est descendu. Mungu akashuka. Et Noé a prêché le message du temps de la fin. Na Noa akahubiri ujumbe wakati ya mwisho. Quand était-ce? Ilikuwa kitu gani? Juste avant la fin du temps. Ilitendeka wakati gani? Ilikuwa ni kabla ya mwisho wa wakati. Ce messager fut suscité juste avant la fin de temps. Huyu mujumbe aliamshwa kabla ya mwisho. Dieu a envoyé ses prophètes avec le message pour le temps de la fin. Mungu alamshaka huyu mjumbe na ujumbe mu wakati ya mwisho. Est-ce qu'il a fait aussi pour le temps de la fin d'aujourd'hui? Na yeye mwenyewe anaitenda tena mu wakati ya mwisho leo. Un prophète comme Noé avec le message du temps de la fin. Anatuma mjumbe kama Noa na ujumbe juu ya wakati ya mwisho. On se moqua de lui. Balikuwa na mcheka. On le ridiculisa. Balikuwa na mzarao. On le tourna en dérision. Balikuwa nasema. Et il n'a pu sauver que les gens de sa propre maison. Balikuwa na mcheka lakini yeye aliokoaka tu bantu ba nyumba yake. Il dit c'est vrai. Asema hakika. Personne. Hakuna mtu. Ne voulait le croire. Hakuweka hata mtu mmoja kumwamini lakini il avait le message du temps de la fin. Alikuwa na ujumbe wa wakati ya mwisho. Eh bien, mzuri. Tous ceux qui ne crurent point bale bote benye bakumwamini baka hukumiwa. Et ceux qui crurent le message na bale baliamini aka ujumbe furent sauvés baka okolewa. Dieu leur donna la vie Mungu akapatia uzima et ils furent sauvés na baka okolewa. Et ceux qui ne crurent pas bale bakumwamini yake furent perdus baka potea. 97 makumi kenda. Et bien je suis maintenant sasa niko hapa sasa. Je suis maintenant hapa sasa en train de donner le type de quelque chose. Hapa sasa niko nimepatia mfano ya kitu fulani. Remarquez Dieu. Angalieni kwa Mungu. Comme il a agi à ces trois occasions. Savi alitenda kama ile mahati tatu. Amen. Amen. 98 il parle des chiffres de Dieu, je saute un peu pour le temps. 99 il y a eu trois destructions. L'une d'elles, c'est quand Noé entra dans l'arche. La deuxième, c'est quand l'autre est sorti de Sodome. Remarquez, angalie, Jésus en a parlé. Yesu alisemeza. Disant, ukusema, ce qui arriva du temps de Noé, kile kitendeka wakati ya Noa, et du temps de l'autre, na wakati ya Luta, arrivera de même, kitatendeka sawa sawa, à la venue du Fils de l'homme. Mukucha kwa mwana wa mtu. Observez, angalie, ça je lis le prophète. Iki ni kunasoma nabii. Il dit observez, angalieni, l'un est entré, moja aliingiaka, l'autre est sorti. Mwingine alitokaka et le suivant monte. Aba banafuata bobe kona panda. Du temps de Noé, il fallait entrer dans l'arche. Mwakati ya Noa ilipaswa kuingia msafina. Et frère Bam dit l'arche c'est le type de Christ. Tuko bana manasema safina ni mfano ya Kristo. Il faut entrer en Christ. Inapaswa kuingia ndani ya Kristo. Ils étaient entrés. Baliingia. Il dit l'un est entré. Aze moja aliingiaka. C'est du temps de Noé. Ni wakati ya Noa. L'autre est sorti. Mwingine akatoka. C'est du temps de Lot. Ni wakati ya Lota. Mais vous connaissez ce qui est arrivé. Akile kifika. Sortez, ne regardez pas derrière. Tokeni ushangarie nyuma. Il a dit à sa femme. Akamwambia bibi yake. Nous sortons. Tuko natoka. C'est une échappatoire. Ni kimbilio. Faut pas regarder derrière. Hapana kuangalia nyuma. Il sort. Banatoka. Sa femme tellement qu'elle aimait le monde. Bibi yake sasa alipendaka dunia kabisa. C'est très dangereux si le monde est encore en vous. Ni hatari kabisa kama dunia ingaliki ndani mwako. Il aimait tellement Sodome. Alipenda kabisa Sodome. Il aimait la vie de Sodome. Alipenda maisha ya Sodome. Et de Gomorrah. Il aimait ça. Alikuwa anaipenda kabisa. Malgré la que la parole a dit ne regardez pas. Aizuru vile neno lilikusema ushangalie nyuma.
Il a entendu là-bas. Boum. On s'est détruit. Il a fait juste le contraire. Juste un petit regard. Frère Branham dit même que il n'a pas regardé comme ça, il ne s'est pas tourné comme ça. Il a fait seulement ça. Un petit regard. C'était contraire à la parole. Et il fut frappé. Il est resté une montagne, un mémorial de ceux qui font le contraire à la parole de Dieu. Une statue de cèdre. Amen. Amen. L'un est entré, l'autre est sorti. Alitoka. Le suivant, c'est qui? Mwenyana fota di nani? C'est nous. Nishiye. Le pose du temps de la fin. Bibia rusu wakati ya mwisho. Elle fait quoi? Yeko na fota nini? Elle monte. Nous monterons. Chie tout à panda. L'enlèvement, c'est être pris en haut. L'enlèvement, ce n'est pas seulement disparaître. Un à un, celui-ci meurt. C'est l'enlèvement. Ce n'est pas ça. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 15, 51, 51. Non, je vous dis un mystère. Ça, c'est Paul qui parle. Je vous dis quoi? Un mystère. Siri. Nous ne mourrons pas tous. Jibota, tout à coup, foi. Mais tous, Jibota, nous serons tout changés. Patirika. Amen. Amen. Mais nous connaissons. Dans l'Ancien Testament, les gens ils ne sont pas morts. Qui peut me citer celui qui n'était pas mort, qui est en train de se faire? Enoch n'est pas mort. Ashukufaki. Il est monté. Et Pandaka. Qui d'autre? Eli. Eli n'est pas mort. Ashukufaki. Il est monté. Ali Pandaka. Il y a des gens. Kukobantu. Qui ne mourront pas. Benye abata kufuaka. Qui monteront. Benye bata Pandaka. Il y en a d'autres qui vont mourir comme le Seigneur Jésus qui est mort pour nos péchés. Et puis qui est ressuscité. Frère Branham est mort. Amen. Amen. Il est allé de l'autre côté. Il ressuscitera. Quand il va ressusciter, avec les autres saints, ceux qui seront vivants et remplis du Saint-Esprit, en ce moment-là, ils ne mourront pas. Ils ne seront changés. Et ceux qui ressuscitent, et ceux qui sont vivants, nous changerons tous. Nous revêtirons des corps glorifiés. Nous nous saluons. Oh, précieux frère. Oh, parce que oh, frère Sohan. C'est comme ça que frère Branham explique. Oh, maman. Oh, mon papa. Papa. Tous jeunes. Beauté bien. Ensuite, Kisha, oh, les défilés. Mandaman. Chacun avec quoi sur la poitrine? Kila muntu atakuwa na nini pa kifua? Le message. Ujumbe. De l'âge dans lequel vous avez. Ya mukizazi kile ulikuwa naishi. Frère Branham avec les siens. Nduku Branham na bake. Wesley avec les siens. Wesley na bake. Luther avec les siens. Luther na ye na bake. Colomba avec les siens. Colomba na bake. Martin avec les Martin siens. Martin na bake. Amen. 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 Jusqu'à Paul avec les siens. Na Paulo na ye na bake. Et nous monterons comme ça. Na tutapanda kumbingu. À la rencontre du Seigneur. Mukukutana na Bwana. Oh, c'est merveilleux. Hey, ni bizuri kabisa. C'est vraiment merveilleux. Ni bizuri kabisa. Est-ce que vous trouvez que c'est merveilleux? Munona na mwa sema biko bizuri. Voulez-vous grandement dire amen? Munaweza kusema amina kubwa. Amen. 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 L'un est monté et entré. Moja alingia. L'autre est sorti. Mwingine alitoka. Le suivant fait quoi? Mwingine anafanya nini? Il ment. Ye kona pand. Amen. 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 Oui, vous voyez. Munaona? Oui. Ndio. Il entre. Alingia. Il sort. Anatoka. Il monte. Anapand. C'est donc l'ordre du Seigneur. Ndio utaratibu ya Bwana. Jésus s'est référé à ces deux prophètes. Yesu aliangalia kwa nabii wawili. Ceux qui arrivent du temps de Noé. Quel qu'il faut wakati ya Noa. Et ceux qui arrivent du temps de Lot. Na quel qu'il faut wakati ya Lot. Abraham était le prophète. Ibrahim alikuwa nabii. Ceux qui arrivent de même à la
Ce qui arriva de même à la venue du Fils de l'homme. Il s'est référé à eux. Amen. Amen. Comme il est temps. J'arrête à ce niveau. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons saisir la vision du message. Aujourd'hui, le message est venu appeler un peuple à sortir du monde. Sortez du milieu de mon peuple. Séparez-vous. La Bible dit, si vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu n'est point. Ma pendo ya Mungu aina ndani wako. Posez-vous la question. Combien de temps vous passez à chatter? Oui. C'est chatter. Uko na pitisha mawakati bwingi kani pa téléphone, pa internet. Combien de temps vous passez sur internet? Combien de temps vous passez à l'écran pour voir des films? Et combien de temps vous passez dans la prière? Répondez vous-même. C'est l'amour de Dieu ou l'amour du monde? Ni mapendo ya Mungu wala ya dunia. Combien de temps, même vos pensées sont toujours dans vos affaires, dans votre travail. Combien de temps vous réservez à Dieu? Pensez à Dieu. Écoutez le message. Écoutez la banque. Lire le prophète. Nous n'aurons pas d'excuses. La voix de Dieu dans cette ville, c'est 24 heures sur 24. La voix de Dieu, la radio, la voix de Dieu. Si vous ne connaissez pas, vous écrivez 80. Écrivez grandement là-bas. Et montrez. 88.5. Cherchez ça. Quand tu es fatigué, mais cela, écoute, même dans ta voiture, écoute là. Que cela chasse l'amour du monde en toi. La vision du message. Le message appelle un peuple à se séparer du monde et des choses du monde. Le monde va à droite, nous allons à gauche. Le monde porte des habits serrés, nos sœurs doivent porter des habits amples. J'appréciais les sœurs des États-Unis partout où je suis passé. Vous ne voyez pas leurs mollets. On s'est pris beaucoup de photos. Pas de jupe serrée. Abana bona ma jupe ya kubana. Leur jupe c'est ample là-bas. Ma jupe ya bobo kopra munene, ukuchini kunene. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mishua se balance kuita na mnakani. Biko tu bia munene binafanya hivi me kinene ukuchini. Les cheveux longs. Anyele mudi. Pas de haut talon ali on le voit. Oh, abana na tukila toto yulu. Tamancho go. Kaka twa chini chini. Nous allons apporter ces choses pour que les croyants puissent se conformer à ça. Vous, vous avez des longues robes. Même ce que vous avez en dessous, c'est dessiné, on voit c'est dessiné. Si c'est une petite chemise, ça vous sert. Kama ni kashemiz, wala kashati kakalo, kashe kukubana. Ici, on voit le début des saints. Hapa sasa. Comment même ça se sépare là-bas, on voit. Hapa ndio tunaona majiba vile na kabulana, hili ya ngambo na lali ngambo. C'est de la mondanité. Ile biote ni kitunia.
Et vous irez au ciel avec ça. On a sema kumbingu tena na biavile. C'est pourquoi j'ai compris. J'ai dit que je reviens, je prenne ça comme thème. Ni bebe koi kwesa ajili. Saisir la vision. Kushika ko ono. Les gens n'ont pas saisi la vision. Bantu abashike njo ono. Pendant ces jours que Dieu nous assiste, priez pour moi. Kumunyombe yeko. J'ai beaucoup de choses. Ma ajili mingi sana. Je ne vais pas y aller vite. Mi shipende kwenda kwa haraka. Tunenda pa inakata. Écoute. Nakata. Vous allez ruminer les peurs là. Tunenda tunakula mbele kilo kilo. J'avance, je coupe. Mina kujia tena, mina kata tena. Que nous puissions saisir la vision du message. Duya tufike mkushika ono ya ujumbe. Tutaomba. Pour que Dieu nous donne la vision du message. Duya Mungu atupatie ko ono ya ujumbe. Les instruments du diable aujourd'hui. Machombo ya shetani leo. La télévision. Télévision. Ce n'est pas cet appareil-là, mais le programme qui est là. Aïna, c'est ma télévision, il est télévision qu'on a eu mon yumba. Ni moupangi, il est beaucoup télévision. Si nous mettons les écrans ici pour que nos gens voient, ce n'est pas ça qui est maudit. Ce n'est pas l'appareil. Mais le programme. Ma fâche à côté de la toise qu'on a. Aïna, il est chombo, ya moubaya. Ni moupangi, yo. Qu'est-ce que vous voyez à votre télévision? Ku télévision yako. Wo unaona kako nini? Est-ce que c'est des cantiques? Est-ce que c'est la prédication? Unaona kako mahubiri wala mimbo? Nous avons beaucoup de prédications ici. Tuko na mahubiri mingi sana huku. Mahubiri yetu ya prédication des visiteurs qui viennent. Mahubiri ya babel bageni wanapitaka hapo. Ça vaut beaucoup de prédications. Iko mingi sana kule. Notre vidéothèque est remplie. Vidéothèque yetu isho kuyala tele kabisa. Il y a même nos anciennes bandes là comment on appelle VH quoi. Il y a la VHS. Kuko atele makande yetu ya zamani iko hapo. Tele. Les audio, ma audio usiseme. Les CD, ma CD yenyewe usiseme. Prenons la musique. Nous avons des DVD. Tuko na ma DVD ya manyimbo. Les frères, banduku yetu biko na imba. Les messages chantés. Beko ujumbe ile biko na imba. Ça peut créer l'atmosphère dans nos maisons. Inaweza kuleta hali mzuri munyumba. Prenons l'internet. Mbebe kwanza internet. Tu ouvres l'internet. Unafungula internet. Toi tu es toujours sur YouTube. Wewe uko paka pa YouTube. Qu'est-ce qu'on voit sur pa YouTube penye uko naona hapo nini? Je sais qu'il y a gospel cross là-bas. Kama kuko gospel cross. On peut voir aussi d'autres prédicateurs. Unaweza kuona tena bahubiri bengine beko hapo. Et puis écrivez aussi en dessous notre notre site, nous avons aussi un site. Shina shish, tuko na site hapa uyanjike mbele yetu ya hapa. www. En dessous de l'autre là, vous mettez les deux. Ouais, kabile biote biwi. listabernacle.org. Quand je vais loin là, j'ouvrais, je suivais. Pale mine kama nienda mbali. Kama nafungula tu pale, mimi naanza kuona mambo yote. Sur internet vous voyez. Pa internet tuko naona biote hivi. De toutes les façons frère. Munamu na yote ndoko. Ce message ujumbe nous appelle à sortir. Iko na tuita kutoka du monde et des choses du monde. Kutoka mudunia na bintu bya dunia. Je vous ai fait dire ici que Dieu existe. Mila toka kumionyesha sema Mungu yuko. Nous avons parlé. Tulisema. Tout le monde a témoigné. Bantu bote wanashuhudia. Il est omniprésent. Yeye iko fashi yote. Omniscient. Yeye anajua kila kitu. Omnipotent. Iko anajua kila il kitu. Il est infini. Yeye hana mwisho. Tout ce que vous faites. Kile kitu kyote uko natenda. Je le vois. Mungu yuko paka naona. Tout est enregistré. Biote uko nafanya beko na bishika kwa ganda. Un croyant du message. Mwaminifu wa ujumbe. Doit marcher avec crainte. Anapasha kutembea na boka. Parce qu'il sait que si je dis quelque chose, Dieu enregistre. Dieu est là. Dieu anayua tu asema. Kami nasema kitu fulani. Mungu yuko hapo uko naona. Nous allons nous lever. Tushimame uko shibote. Parle au Seigneur. Tuseme na Bwana. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie eko. À saisir la vision du message. Tufike mukushika ono ya ujumbe. 214. Oh Jésus. Sur la route du ciel, nouvelle route, chaque jour je taille sur mon chemin. Je
Seigneur Jésus-Christ, pour ta parole. Nous croyons que tu es l'auteur de cette parole. Tu es le grand Dieu du ciel devant qui rien n'est impossible. Tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Tu es notre parent rédempteur. Tu es le grand médecin de nos âmes et de nos corps. Le grand spécialiste de tous les cas difficiles. Seigneur Jésus, je viens avec ce troupeau que tu m'as confié à paître et à conduire. Ils sont à toi. C'est toi qui as racheté chacun de nous au prix de ton précieux sang. Tu nous as appelés à cette lumière du soir pour manifester la nature de Dieu qui était en nous bien avant la fondation du monde. Nous croyons, Seigneur, que nous étions des pensées éternelles. Nous étions des attributs en toi, Seigneur. Mais aujourd'hui, nous voici manifestés sur la terre. Comme toi, tu étais sorti du Père, tu es retourné au Père. Nous sommes sortis de toi et nous retournerons à toi. Seigneur Jésus, il n'y a que des élus qui peuvent voir ces choses parce qu'ils sont prédestinés à les croire. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur, de permettre que chacun de nous puisse saisir la vision du message. Pourquoi nous sommes au message? Pourquoi tu nous as appelés à ce précieux message? Nous vivions dans les dénominations, dans le monde, dans la confusion de ce monde, dans nos coutumes et nos traditions. Mais tu nous as appelés à nous séparer de toutes ces choses. Et entrer en Christ dans un autre royaume, dans un royaume messianique. C'est pour que nous puissions refléter la lumière du soir. Que nous soyons identifiés à ce message. Que nous soyons identifiés à Christ, la parole révélée de là. Seigneur Jésus, ne nous laisse pas manquer le but. Car manquer le but, ce sera vivre dans le péché. Tu ne nous as pas appelés pour être autre chose. Tu nous as appelés pour être tes fils et tes filles. Les gens séparés du monde, remplis de l'amour de Dieu, de l'amour du ciel, l'amour de la parole de Dieu, l'amour de la vérité, l'amour fraternel, l'amour des uns pour les autres. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Ta parole est sortie, ta parole est une semence. Laisse tomber cette pluie abondante du Saint-Esprit sur cette parole, pour que le Saint-Esprit puisse vivifier cette parole dans les âmes prédestinées. Afin que nous puissions régler notre fréquence, afin que nous puissions saisir la vision du message, que nous puissions nous conformer à ce message, que nous soyons remplis de l'amour, l'amour parfait, car il n'y a que cet amour parfait qui entrera au ciel. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Accorde à chacun selon les besoins qu'il a, Seigneur. Nous sommes toujours des nécessiteux, ô Dieu. Nous vivons dans ce monde de péché. Nous vivons dans ce monde corrompu. Dans ce monde qui continue toujours à tomber en décadence. Il y a la dépravation des mœurs partout où nous passons. De l'injustice partout, Seigneur. De la méchanceté, Seigneur. Il y a des enfants qui travaillent et qui ne sont pas payés.
D'autres n'ont même pas de travail, mais ayant le désir de travailler. D'autres sont en train de travailler, mais ils connaissent des blocages. Mais je t'invoque, oh Dieu. Toi, le grand Dieu du ciel. Toi, le créateur des cieux et de la terre. Toi qui es capable de frayer des voies là où il n'y a point de voie. Tu es le créateur, Seigneur. Tout l'argent du monde est à toi. Tout l'or du monde est à toi. Tu es le grand Jéhovah des miracles. Nous voulons vivre des miracles au milieu de nous, Seigneur. Que ceux qui n'ont pas du travail puissent avoir du travail. Que ceux qui sont bloqués voient leurs travaux être débloqués au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui n'ont pas d'enfants puissent avoir des enfants. Parce que nous sommes dans ton royaume. Où selon ta parole, il est dit, dans ton royaume, il n'y aura point de femmes stériles, ni de femmes qui enfantent. Donne des enfants, Seigneur, à ceux qui les désirent. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre les yeux des aveugles. Oh Seigneur Jésus. Que les sourds muets parlent et entendent. Fais-le pour ta gloire. Nous t'avons vu guérir le sida du milieu de nous. Guérir tous les cas de sida, tous les cas de tuberculose, tous les cas de tension artérielle, des myomes. Nous croyons que tu es omniscient. Tu connais tous les besoins. Tu connais tous les problèmes. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous déclarons tes fils et tes filles délivrés, guéris, bénis, protégés, élevés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je reviens après. Amen. 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 Seigneur Jésus, aide-moi, aide mes frères et mes soeurs à ne jamais faire de compromis avec ta parole. Seigneur Jésus, pardonne nos insuffisances, que nous soyons ramenés à notre héritage. Nous voulons être des croyants vertueux, obéissants, des croyants pleins de foi. Et je crois que tu as exaucé cette prière, car nous l'avons demandé dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.